Bonsoir frères et sœurs, nous sommes devant vous justement pour apporter un témoignage, dont témoigner ce que le Seigneur a fait dans nos vies, mon épouse et moi. Donc si nous sommes devant vous, c'est parce que le Seigneur a permis justement que nous fassions ce témoignage pour encourager certains aussi, n'est-ce pas, qui viennent aussi de loin. Donc voilà, donc mon épouse et moi, nous allons procéder à ce témoignage. Donc, je te laisse te présenter. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Je suis la sœur Julie, l'épouse du frère Christian. Et le Seigneur a permis que nous venions sur TV de Vie pour apporter notre témoignage de comment il nous a touchés, de là où il nous a sortis et nous a amenés à lui. Donc, tout au long de la soirée, enfin, le temps qu'on aura, c'est pour vous témoigner et vous dire ce que le Seigneur a fait. Donc, comme c'est la première fois, vous allez un peu nous excuser pour, n'est-ce pas, la timidité, parce que c'est la première fois qu'on se met devant une chaîne télé pour justement parler. Donc, si ça pourra encourager, c'est justement pour encourager ceux-là aussi qui traversent peut-être des difficultés ou des tribulations. Donc, pour ma part, pour ma petite histoire, moi, j'étais chef d'entreprise et justement, quand le Seigneur m'a appelé, il y a eu à détruire tout l'œuvre que, voilà, l'œuvre de mes mains, qui était justement l'objet de mon orgueil. Et justement, par cette entreprise, ça m'a mené à faire tout et n'importe quoi. Et voilà, le Seigneur a détruit cette œuvre justement pour m'appeler à lui. Et je puis vous dire, bien-aimés, ça n'a pas été facile au départ, parce que c'était très difficile pour moi de pouvoir, n'est-ce pas, accepter 10 ans de galère, de souffrance, et voilà, que tout ce que j'avais bâti puisse être détruit. Et ne sachant pas qu'en fait, c'était la manière du Seigneur de m'appeler à lui, parce que tant que j'étais dans ses affaires, je ne pouvais pas justement comprendre voilà, ce que dit la parole de Dieu. Et justement, Dieu a justement détruit ces œuvres-là justement pour m'appeler à lui. Donc, c'était vraiment très difficile, c'était douloureux, mais en fait, c'était pour mon bien. Et si je viens témoigner aujourd'hui, justement, la grandeur du Seigneur, c'est qu'il a fait de la manière dont il a restauré mon épouse et moi, il nous a restauré mon épouse et moi. C'est vraiment pour vous dire, frères et sœurs, vous, n'est-ce pas, qui passez des moments difficiles, il faut savoir que ça concourt à notre bien, en fait. Et j'ai pu vivre les meilleurs moments avec mon épouse quand j'ai justement perdu ces entreprises. Donc, si je témoigne aujourd'hui, c'est pour vous dire que si, quand le Seigneur nous appelle, c'est pas pour notre mal, c'est pour notre bien en fait. Et je peux vous dire que le Seigneur nous a vraiment restaurés. Il nous a restaurés. Parce que tant que j'avais tous ces biens qui étaient l'objet de mon orgueil, voilà, je n'avais plus le respect de mon épouse, des enfants. Enfin, ça m'emmenait à commettre des choses qui n'étaient pas dignes d'un homme, d'un père de famille. Donc, bien aimé, si je témoigne comme ça, c'est pour encourager ceux-là qui traversent des moments aussi difficiles. Donc, voilà, je vais passer la parole à mon épouse, si tu as quelque chose. Voilà, frères et sœurs. Donc, notre histoire, c'est, comme mon mari vient de le dire, il était chef d'entreprise, il excellait dans ce qu'il faisait. Donc, il faisait des conteneurs, des pneus qu'il envoyait au pays, au Cameroun. Donc, il avait une entreprise au Cameroun et il avait une entreprise ici en France. Et je travaillais avec lui, j'étais sa secrétaire. Et comme il a pu bien le dire, il était un homme occupé. Il était dehors tout le temps. Donc moi, j'étais à la maison avec les enfants, on en avait 3. Et j'étais à la maison, il était toujours entouré. Beaucoup de monde. Et toutes ces personnes étaient autour de lui, c'était par rapport à ce qu'il avait. C'était pas les amis. Parce que le Seigneur, aujourd'hui, ce qu'il donne, c'est des frères, il donne, c'est des sœurs, c'est pas des amis, c'est des personnes qui sont là autour de vous par intérêt. Donc, du coup, mon mari était quelqu'un de très, 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 très occupé. Et voilà, il n'avait pas le temps pour moi. Il n'avait pas le temps pour les enfants.
Donc, il était toujours dehors. Donc, tout ce qu'on pouvait même faire, il y avait toujours les amis à côté. Donc, à l'époque, on était dans le monde, même s'il faut aller au cinéma, c'était toujours avec des amis. Il était tout. Et j'en souffrais. Donc, et j'acceptais ça comme ça, mais au fond, je souffrais de cette situation. Et on a vécu comme ça pendant... On a fait 7 ans comme ça. J'étais malheureuse. Donc, un homme orgueilleux, un homme qui t'insulte devant des personnes. Vous organisez les dîners à la maison, c'est là il saute sur l'occasion, voilà, pour montrer que c'est lui le chef. Voilà, c'est te rabaisser en permanence. Et puis, voilà, c'est ce genre d'homme qui était mon mari. Et en 2014... Le Seigneur a mis fin à ça. Le Seigneur a mis fin à ça en m'appelant d'abord moi. Donc le Seigneur m'a rencontré et il m'a appelé à lui. Il m'a délivré. Oh, il a fait beaucoup dans ma vie. 2 mois après, le Seigneur a appelé aussi mon mari. Parce que quand le Seigneur m'a appelé, je venais à TV de vie. Et lui... il restait à la maison pour surveiller, il écoutait le message. Et c'est comme ça qu'il a commencé à être touché. Donc 2 mois après, il s'est converti aussi. Et on a compris pourquoi le Seigneur, parce que avant de nous appeler, le Seigneur a renversé son entreprise. Donc il a perdu tous les contrats. Il s'est retrouvé à la maison, au chômage. Il n'y avait plus rien. Donc, et c'est là où le Seigneur l'a isolé pour parler à son cœur. Parce que tant qu'il avait tout ça, tant qu'il avait toutes ses affaires, tout cet argent, il ne pouvait pas entendre la voix du Seigneur. Donc, quand le Seigneur a détruit ça, il était couché à la maison sur le canapé. Et c'est ça qui permettait que je pouvais venir assister aux réunions les samedis. Et il surveillait, il écoutait, il a commencé à être touché. Le message a commencé à le pénétrer. 2 mois après, il était converti. Et pendant ces 7 ans, on vivait comme ça. On n'avait pas à régulariser notre situation à la mairie. Et quand je suis venue à TV de vie, j'ai écouté le message. Il fallait passer devant le maire. Et je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, « Ah, on est dans le péché, allons devant le maire. » Il dit, « Ah non, non, non. Non, voilà, on a prévu de faire un grand mariage au Cameroun, toujours l'orgueil. Voilà, » c'était le projet. J'ai dit, « Non, 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 maintenant là. » Il faut aller devant le maire, peu importe, je vais prendre une robe dans le placard, on ira comme ça, tu prends un costume, on ira. Il me dit non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Je suis allée me prosterner et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui demandes cela, c'est toi qui demandes qu'on doit honorer les autorités. Donc, permets, touche son cœur. Et le Seigneur a touché son cœur. 2 mois après, il était converti et c'est lui qui me précède à aller à la mairie. C'est lui qui me précède à la mairie. En 2 semaines, le Seigneur a tout organisé. Et on n'était plus dans cet orgueil de faire un mariage de 30 000 euros, 40 000 euros. On n'était plus dans cet orgueil. On est parti au plus simple. On l'a fait dans notre appartement comme ça. Et les choses étaient vraiment dans la simplicité. Le Seigneur a tout organisé. Il a pourvu. Et ça s'est bien passé. Et on a commencé à suivre le Seigneur. C'était en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Et c'est comme ça que le Seigneur a commencé à œuvrer dans notre couple. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à travailler, à donner beaucoup d'amour pour la parole. Mon mari a commencé à dévorer la Bible. Donc, le Seigneur a permis qu'il reste à la maison pendant 1 an avant de retrouver le boulot. Le Seigneur a permis. Et dans ce moment où il n'avait plus rien, j'ai vécu les meilleurs moments de notre vie. J'ai vécu les meilleurs moments de notre couple quand il a tout perdu. Parce que c'est des situations dans le monde, ça détruit les couples. Parce qu'il n'y a plus les finances comme avant. Donc ça détruit les couples. Mais comme ça venait du Seigneur, il a permis que tout ce que je désirais, les petits plaisirs, juste des balades comme ça au parc, des petits plaisirs comme ça, et sachant qu'en perdant tout ça, tous les gens qui l'entouraient sont partis. Et encore, il y avait des moqueries, il est devenu pasteur. Il a tout perdu.
il est devenu pasteur, voilà, il n'a plus rien. Et maintenant, enfin, quand il parlait de pasteur, c'était de manière péjorative, des pasteurs escrocs, voilà. Donc, ce n'était pas pasteur dans le bon sens. Et ça me faisait mal. Mais le Seigneur a chassé tout ce monde autour de nous. On s'est retrouvés tous les deux avec nos trois enfants. Et on était... vu que lui, c'était une personne qui aimait être entourée, le Seigneur a coupé tout ça. Il n'en a même pas souffert. Donc, c'était magnifique. On n'avait plus rien, mais on avait le Seigneur. Donc, du coup, on avait cette paix. Il y avait que le Seigneur a reconstitué notre famille. Il a pris sa place de chef de famille. Et voilà, c'était magnifique. C'était magnifique. J'ai retrouvé mon mari. Il a tout perdu, mais j'ai retrouvé mon mari. Et j'étais heureuse. J'étais comblée. Même s'il n'y avait plus autant de finances qu'avant, mais j'étais comblée. Le Seigneur m'a ramené mon époux. Voilà. Donc, depuis lors, c'est comme ça qu'on suit le Seigneur. Oui, justement. Parce que quand on est dans cette euphorie de la gloire du monde, voilà, comme la Bible dit, hein, la réussite de certaines personnes la perd. Donc moi, dans cette gloire-là, je me croyais tout permis, en fait. Mais je ne savais pas que ça n'honorait pas le Seigneur. Donc du coup, voilà, ça me poussait à faire des choses qui n'étaient pas dignes selon Dieu. Et je voulais seulement rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie. Il nous a ramenés aujourd'hui à lui. Et il nous a ouvert l'intelligence dans les Écritures pour qu'on comprenne quelle est réellement sa volonté. Donc, je voulais partager peut-être deux ou trois versets parlant de ce Romains chapitre 8, le verset 28, qui nous dit « Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à son dessein. » Amen. Donc ça, c'est un passage qui m'a souvent beaucoup interpellé. Quand la Bible déclare ici que toute chose concourt à notre bien. Ça veut dire que même ce qui n'est pas bien concourt à notre bien, en fait. C'est ce que je me suis rendu compte. Parce que quand le Seigneur, justement, détruit l'œuvre de mes mains, au premier abord, je l'ai mal pris. Parce que je me dis, mais s'il est Dieu, voilà, là, détruit quand même, ça fait 10 ans de galère. Donc, ça fait 10 ans que j'ai galéré, justement, pour bâtir ce que j'avais dans les mains. Et du jour au lendemain, comme ça, je perds tout. Mais je ne savais pas, en fait, que ça concourait à mon bien. C'est bien après que je me suis rendu compte que, effectivement, quand on dit dans la Bible que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, ce n'est pas forcément ce qui peut plaire à la chair. Voilà, parce que avec ce bien matériel, ça me poussait justement à commettre les choses qui n'étaient pas correctes selon Dieu. Et ce qu'on appelle les œuvres de la chair, comme nous dit l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 5 au verset 19, donc les adultères, toutes ces choses-là, c'est ce que ça me poussait justement à commettre, justement. Merci, frère. Donc, les fruits de la chair, à partir du verset 19. Donc, voilà, les fruits de la chair, les désirs, voilà, contraires. Donc, ça nous parle car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit a des contraires à ceux de la chair, n'est-ce pas? Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, car les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont les adultères, les relations sexuelles illicites. C'est des choses qui, avec l'argent qu'on avait, des grosses voitures, justement, ça nous conduisait dans ce genre de débordement. Et quand aujourd'hui on lit ça, on se rend compte, quand Dieu nous fait prendre conscience de ça, c'est là on se rend vraiment compte qu'on était à côté de la plaque. C'était vraiment, voilà. Je crois que même pour gérer les biens de ce monde, il faut d'abord connaître le Seigneur. Pour ma part, c'est ce que je pense. Parce que si on ne connaît pas Dieu, on peut mal gérer les choses. Et je crois que si le Seigneur, justement, nous a appelés à lui, c'était d'abord pour qu'on prenne conscience, qu'on prenne vraiment conscience avant de s'engager sur quoi que ce soit. Et je lui rends grâce parce qu'avec mon épouse et moi, il nous a... Quand on a été et je rends vraiment encore grâce au Seigneur pour cette équipe TV de vie, vraiment que le Seigneur la soutienne, qu'il la fortifie. Parce que c'est par ce message que nous avons été touchés. Donc, et le Seigneur, quand on a été touché, il nous a isolés pendant presque 5 ans. Et c'était les enseignements, la parole.
Et si le Seigneur aujourd'hui a permis que nous soyons là devant, justement, cette chaîne de télé pour témoigner, c'est parce que je crois que le Seigneur a... enfin, lui qui s'est fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, je crois que le Seigneur a compris que c'était le temps de pouvoir, justement, témoigner. Et nous rendons même grâce pour ça. Et il y a aussi ce passage dans Hébreux, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, le verset 11. Or, tout châtiment, en effet, semble pas être au premier abord une joie, mais une tristesse. Mais par la suite, elle produit chez ceux qui sont ainsi exercés un fruit de paix et de justice. Donc, pour dire que au départ, ça a été dur. C'était un châtiment pour moi. C'était un châtiment. C'était quelque chose de dur, de difficile à accepter. Mais en fait, c'était pour mon bien, comme justement ce passage de Hébreux 12, 11 nous dit. Justement, donc, or, tout châtiment, en effet, ne semble pas être au premier abord une joie, mais une tristesse. Mais par la suite, elle produit chez ceux qui sont ainsi exercés un fruit de paix et de justice. Et justement, la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Donc, si le juste vivra par la foi en qui ? En Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour moi, je crois que le Seigneur, quand il appelle ses enfants, il est question d'abord qu'il enseigne ses enfants. Donc, qu'il se révèle à ses enfants, la révélation. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager pour encourager justement ceux qui traversent peut-être un moment difficile ou de tribulation, ou voilà, que c'est un châtiment au premier abord, mais par la suite, on se rend compte qu'en fait, c'était pour notre bien. Aujourd'hui, je vis des moments heureux hein, avec mon épouse, vraiment dans la paix du Seigneur, parce que vraiment, même dans ces choses-là, on est comme esclaves, hein, on est comme esclaves, parce que quand la gloire commence à apparaître, on devient esclave justement de ces biens matériels-là. On veut toujours aller plus haut, toujours plus haut, mais voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, mon épouse et moi, et que vraiment toute la gloire lui soit rendue. Amen. Et ce que je voulais rajouter pour encourager les sœurs, et qui sont dans cette situation, peut-être le mari n'est pas encore converti et que vous êtes là, vous persévérez avec le Seigneur, continuez à persévérer. Parce que si le Seigneur permet que le mari ne soit pas encore converti, c'est qu'il y a un but. On était tous les deux païens à l'époque, mais voilà, je croyais qu'il y avait un Dieu. Et chaque fois que je lui parlais, je disais à mon mari, si le Seigneur nous a mis ensemble, il sait pourquoi. Mais pourtant, j'étais pas chrétienne, j'étais pas convertie, mais je savais qu'il y avait un Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur permet ces moments de paix, de joie, d'amour. On ne doit pas être heureux parce que on a le porte-monnaie plein. On ne doit pas être heureux. C'est pas le matériel qui doit conditionner notre bonheur. Voilà. Donc, mais c'est l'amour que le Seigneur, c'est l'amour que le Seigneur nous donne. Voilà. Parce que, pour certaines personnes, s'ils n'ont pas le matériel, ils font des insomnies, ils sont malades. Mais le Seigneur nous a débarrassé de tout ça pour se révéler à nous. Et aujourd'hui, on vit un bonheur, mais voilà, un bonheur dans le Seigneur. Parce que un mari qui craint Dieu, un mari qui cherche, un mari qui cherche Dieu, franchement, c'est un bonheur sans limite. Parce qu'un mari qui court après l'argent, qui te méprise, mais qui te donne tous ses biens matériels, mais qui te méprise, qui ne te respecte pas. Donc, cherchons, pour celles qui ne sont pas encore mariées, patientez, que le Seigneur vous donne un homme qui est éduqué par l'Évangile. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a un avant et un après. Donc aujourd'hui, ça fait 11 ans de vie. Donc on a vécu 7 ans sans être converti. Et tous les 5 ans convertis, il y a une grande différence, quoi. Donc mon mari, maintenant, il se lève, il passe le balai, il fait la vaisselle, il fait à manger. Les choses que... Attends, dans le monde, je ne pouvais pas dire à mon mari, il est assis là, il y a un verre. Je dis, chérie, passe-moi le verre. Attends, il me regarde comme ça, d'abord. Donc macho, quoi.
Donc, un homme, attends, il te regarde, juste son regard, c'est pour te dire, lève-toi et prends le verre toi-même. Alors qu'aujourd'hui, mon mari, il m'apporte les petits déjeuners au lit, quoi. Donc, et qu'est-ce que je peux demander de plus? Donc, tout c'est, le Seigneur a permis, voilà, il a fait des formations, il travaille. Il ne gagne pas ce qu'il gagnait avant, mais au moins ça nous permet de vivre. Et on est dans cette paix-là, dans cet amour, dans cette joie. Quand je vois aujourd'hui, voilà, il reste, il a la maison, il enseigne les enfants, on a notre petit culte familial. Quand on se réveille le matin, lui et moi, on commence Jésus, du matin jusqu'au soir. Donc Jésus est au centre de notre vie. Donc pour les sœurs qui ne sont pas mariées, n'allez pas chercher les hommes dans le monde pour les convertir. Non, il ne va pas être converti. Il va être convaincu. Il va être convaincu de t'épouser, mais après, tu verras les conséquences. Donc, patientez et priez que le Seigneur vous donne un homme que lui-même, il a formé. Un homme que lui-même, il a éduqué. Un homme, voilà, un homme selon son cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait avec mon mari. Il a travaillé. Il a tellement travaillé, mon mari, que... Parfois, voilà, même des petites disputes où je peux avoir tort, il viendra me demander pardon. Juste parce qu'il veut, il veut la paix dans le couple. Donc, il veut plaire au Seigneur. Moi aussi, je désire plaire au Seigneur. Du coup, je souhaite son bien et je fais tout pour qu'il soit heureux. Et lui de même, il fait tout pour que je sois heureuse. Donc, ça vaut mieux que tout l'or, en fait. Donc, mes sœurs, et mes sœurs qui sont avec des maris qui ne sont pas convertis, n'arrêtez pas de prier. Parce que le Seigneur a commencé d'abord par moi. C'est vrai que ça n'a pas trop duré, mais le Seigneur a commencé par moi. Continuez à prier et le Seigneur touchera votre mari. Et le Seigneur va l'enseigner et vous allez vivre le bonheur en Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne se dispute pas ou qu'on n'a pas des différends, mais la manière de régler, c'est pas comme dans le monde. On ne boude plus une semaine, on ne boude plus deux semaines dans la maison. Non, tout de suite, voilà, le Seigneur dit que si on se met en colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Donc du coup, avant de dormir, on va essayer de tout régler. Donc, parce que les sœurs peuvent dire, ah ouais, c'est trop beau, il n'y a plus de problème. Non. On peut, comme tout couple, hein, les différents, et puis, mais c'est la manière de régler qui est différente que celui des moments qu'on pouvait passer dans le monde. Donc, que le Seigneur vraiment touche les cœurs des maris qui ne sont pas encore convertis. Ces couples qui vivent ces situations, si c'est l'homme qui est converti et que la femme n'est pas convertie, il faut continuer à prier pour que le Seigneur le rencontre ou rencontre votre épouse. Ne laissez pas tomber parce que le Seigneur m'a fortifié pendant ces 7 années qui étaient dues. Et je peux vous dire que mon mari est un homme coriace, mais le Seigneur m'a fortifié. Et aujourd'hui, franchement, je comprends qu'il a voulu qu'on passe par là parce qu'il fallait témoigner un avant et un après. Et aujourd'hui, mon mari est un homme selon Christ, en fait. Donc, éduqué par Christ. Qui aime Dieu, qui aime la parole, qui m'exhorte, qui m'enseigne. Voilà, donc que le Seigneur vraiment fasse pour vous, mes sœurs, ce qu'il a fait pour moi. Amen. Oui, en fait, je bénis vraiment le Seigneur pour votre vie, ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Et moi, me concernant, je suis assez surprise d'être là. je sais pas, le Seigneur a permis que je sois là. On m'a demandé de venir, voilà, et puis de partager ce que j'avais à cœur. Et ben là, jusqu'à maintenant, là, je savais pas réellement ce que j'allais partager. Et en écoutant votre témoignage, je vois que le Seigneur, en fait, t'a touché et puis après a touché ton mari. Et en retirant tout, en déconstruisant, en fait. Et ça me fait penser, c'est aussi en lien avec le didasco de la semaine dernière, par rapport au processus de perfectionnement. Et en fait, le Seigneur démolit ce qu'on a construit, et que ça soit quelque chose dans le monde... ou que ça soit notre personnalité, notre caractère.
Et je vois vraiment, en fait, c'est magnifique ce que le Seigneur fait, même si c'est douloureux. C'est comme un immeuble qui était mal construit. Il peut pas rajouter des étages à l'immeuble, des beaux. C'est comme si l'immeuble était moche, tout tordu, et qu'il rajoutait des étages jolis et magnifiques. C'est impossible. Donc, il est obligé de démolir l'immeuble, en fait. Et ça me faisait vraiment penser à ça, ce qui était partagé. Il est obligé de démolir l'immeuble et parce que le Seigneur ne peut pas, pour pouvoir marcher par l'esprit, on est obligé en fait d'être que tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti en fait par nous-mêmes, il est obligé de le démolir. Et vraiment, je prends conscience à quel point c'est les fruits en fait de son esprit sont plus importants que tout ce qu'on peut faire. Et parce que faire, voilà, il nous a donné sa grâce, les dons, les talents, mais au-delà de tout ça, c'est encore plus miraculeux en fait, les transformations qu'il fait en nous, c'est encore plus beau que les dons et les talents qu'il nous donne. Et voilà, c'est vraiment manifester l'humilité, l'amour, la joie. Ça, c'est encore plus profond, en fait. C'est encore plus... Et il nous transforme en profondeur et on doit passer par cette démolition, en fait. Et vraiment, des fois, c'est tellement douloureux. Moi, je me souviens, j'ai posé la question au Seigneur. J'ai dit, mais pourquoi je vis ça, quoi? Parce que c'est vraiment une démolition, quoi. Et il m'a dit, ta volonté doit disparaître. Voilà. Toi, ta volonté doit disparaître. C'est-à-dire que plus rien ne doit rester, quoi. On doit mourir, en fait. On doit renoncer à nous-mêmes complètement pour que lui puisse implanter sa volonté, en fait, en nous, à travers nous. Et voilà ce que je voulais partager en écoutant votre témoignage. Et vraiment, je bénis le Seigneur, c'est magnifique ce qu'il fait, et il reconstruit, il restaure en fait individuellement les couples, les familles. Et je voulais aussi rebondir sur ce que vous partagiez par rapport à ce que le monde peut nous apporter. Et le monde peut nous apporter en fait, moi ce que je vois, c'est que tout le monde est à la recherche dans ce monde de ce que les plus grandes stars du monde ont trouvé. En fait, tout le monde recherche la gloire, la reconnaissance, l'argent, l'amour, etc., etc. Et en fait, si on regarde les stars de ce monde, ben, ils ont trouvé ça, entre guillemets, quoi. Ils ont trouvé ça. Et quand on regarde bien leur fin, en fait, comment est-ce que ça se termine ? Je pense que je parle pour des personnes qui, peut-être, vont entendre ça et qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, ou voilà. Et ce que le monde peut nous apporter, en fait, ne nous satisfera jamais. Jamais. Parce que il suffit juste de regarder les stars de ce monde. Ils ont obtenu, en fait, tout ce que tout le monde recherche. Et au final, comment est-ce qu'ils terminent, quoi? Il suffit juste de regarder. J'ai pas besoin de vous le dire, quoi. Il y en a énormément qui se suicident, il y en a qui tombent dans les drogues, et puis il y en a qui se tournent vers Dieu, en fait. Donc, vraiment, c'est... Moi, je pensais avoir des choses dans le monde. J'ai fait des études longues, voilà, etc., etc. Et en fait, je pensais avoir, et le Seigneur nous montre que ben, on n'a rien sans lui, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut obtenir, tout ce qu'on peut construire sans lui, à partir de nous-mêmes, ben en fait, ça ne vaut rien. Et voilà ce que j'avais à cœur de partager. Et merci pour votre témoignage. Justement, pour ceux-là qui nous écoutent, vraiment, soyez fortifiés, soyez encouragés. Même si c'est dur, on sait que ce n'est pas facile la vie chrétienne, mais la Bible déclare dans ce Philippiens 4, 13, « Je puis toutes choses en Christ qui me fortifie. »
Donc vraiment, regardons au Seigneur, parce que c'est lui qui nous rend capables justement de pouvoir accomplir des exploits. Parce que ce n'est que par lui, franchement. Je veux toujours rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie et la vie de mon épouse. Parce que quand on était dans ce monde-là, justement, on regardait à nos différends. Pourtant, la vie en Christ nous amène à l'humilité, à nous rabaisser et laisser Christ être élevé dans nos vies. Vraiment, je veux encourager les frères et sœurs qui nous écoutent que de persévérer. Ce n'est pas facile, mais soyez fortifiés au nom de Jésus. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth.